Bonjour et bienvenue dans le monde magique des atypiques. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Pascal Michelon. Bonjour Pascal. Bonjour Émilie. Bon, je me réjouis. Bon, vous savez, comme chaque thématique, mais alors aujourd'hui, on va plonger dans les méandres de notre cerveau. Et donc, Pascal, attends, hop, je voulais prendre mon petit copion. Donc Pascal, tu es docteur en neurosciences. Je prends mon copier pour mes amis parce qu'elle a une très longue liste de choses qu'elle a faites. Donc, docteur en neurosciences et psychologue à la Fédération suisse des psychologues. Tu es spécialisée dans la détection donc, via les tests pour le QI et le QE et l'accompagnement du haut potentiel et de l'hypersensible, également hypnothérapeute et coach. Et tu proposes des suivis sur mesure. Dans ta pratique, tu mêles la science et l'humain pour une compréhension et des changements en profondeur. Et donc, tu es professeure et chercheuse en psychologie cognitive, on en parlera aujourd'hui, à Washington University. Tu as été donc de 2000 à 2006 et tu es également jusqu'à ce jour conférencière et formatrice dans les domaines des neurosciences. Après ce long, on va dire, parcours intitulé, donc toi, ton bébé, ton aire de jeu, c'est vraiment la compréhension de comment fonctionne le cerveau pour des personnes dites, alors on verra la définition, HPI, hypersensible. Toi, tu parles de, attends, hein, tu parles de haute sensibilité, c'est ça, parce que hyper, c'est trop, on en reviendra, on y reviendra. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer dans un premier temps, c'est quelles sont les spécificités du cerveau pour les personnes à haut potentiel? Alors déjà, merci Emilie, hein, de donner cette opportunité d'échanger. Donc effectivement, moi, comme tu dis, mon bébé, ce qui me passionne, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau des personnes qui ont ces spécificités, le potentiel intellectuel, de sensibilité élevée, dans le but d'amener ces personnes-là à mieux vivre leur quotidien. Donc j'ai été chercheuse, comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, je suis plus dans la clinique. Donc, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de comprendre pour améliorer le quotidien. Donc, tu me demandais en quoi le cerveau des personnes HP est différent. Donc, quand tu dis HP, tu parles de quoi exactement? Alors, on peut faire effectivement la différence puisque tu le fais dans ton livre. Donc, t'as vraiment, on peut partir dans un premier temps sur le HPI, donc en gros le haut potentiel intellectuel, comment est-ce qu'il fonctionne différemment, et partir après sur tout ce qui est émotionnel, donc hypersensibilité ou haute sensibilité, voir un peu quelles sont les différences au niveau des stimuli, du fonctionnement. C'est bon pour toi? Volontiers. Donc, je posais la question, c'est un peu la question que je pose aussi à la plupart des gens qui me consultent. C'est très souvent quand on a ces questionnements dans ces domaines-là, on arrive avec tout un tas de notions un peu embrouillées, intermêlées les unes les autres entre le HPI, le HPE, la sensibilité élevée, l'hypersensibilité, la surdouance, etc. Donc, il y a souvent un travail au départ d'éducation, de reclarification, tout ça. Donc, si on commence par le cerveau au potentiel intellectuel, donc pour moi, ça se mesure sur la base des mesures des capacités intellectuelles, hein, vraiment uniquement à la base, hein, d'un point de vue scientifique, c'est vraiment ce critère-là qui fait foi. Et il y a beaucoup d'études sur les cerveaux plus intelligents que les autres en neurosciences, avec tout un questionnement sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence et comment on la mesure. C'est un grand débat et justement les scientifiques se sont mis d'accord sur en général mesurer l'intelligence à travers un test de QI ou considérer l'intelligence comme un ensemble de capacités cognitives qu'on va utiliser au quotidien comme la capacité à comprendre, à mémoriser, à analyser, à être rapide, etc. Donc dans le cerveau, on s'aperçoit qu'il y a certaines aires qui vont être différentes en fonction du score de QI en fait. Donc plus on a un QI élevé, plus on va avoir par exemple de connexions importantes dans certaines aires du cerveau.
Puis on va avoir de matière grise aussi, donc plus de connexions, plus de neurones, hein. Des connexions qui sont aussi plus ciblées, plus rapides. Hein. Donc, tu sais, entre les neurones, on a ce qu'on appelle les synapses. Hein. Donc, l'information va passer d'un neurone à l'autre de façon plus rapide dans certaines zones du cerveau HP, et en particulier grâce au fait que les axones des neurones, donc là où la flux nerveux est diffusé, passe, ces axones sont davantage myélinisés. Donc la flux nerveux est plus rapide. Ça, c'est vraiment les grandes découvertes sur le cerveau HPI. C'est davantage de connexions, des connexions plus rapides, plus ciblées, et davantage de matière grise aussi, donc vraiment de matière neuronale dans certaines zones du cerveau. Et ça va être corrélé avec ces capacités intellectuelles qui sont supérieures à la moyenne. Et quand tu dis plus ciblé, ça veut dire quoi, plus ciblé? Donc là, c'est vraiment dans la structuration et le fonctionnement du cerveau à un niveau microscopique, en fait. Hein. Donc c'est simplement que les routes neuronales, en fait, sont plus, on pourrait dire, plus claires, entre guillemets, dans le cerveau HPI que dans le cerveau non HPI. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que donc on a la vitesse, on a vraiment ce côté ciblage, on a le volume, donc volume d'informations potentiellement traitées, etc. Est-ce que ça demande, alors ça veut dire ce que je vais te dire, mais c'est l'image qui me vient, c'est est-ce que ça demande d'être du coup nourri différemment? Parce qu'on sait en fait que des cerveaux qui ne travaillent pas ou quand ils ne sont pas alimentés, il y a finalement les neurones et parties qui meurent. On le voit, des connexions qui ne se font pas. Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça vient de là, ce besoin d'avoir des problèmes complexes, je ne dis pas des problèmes dans la vie, de se créer des problèmes, mais d'avoir des logigrammes, des sudokus, des casse-têtes, le fait d'être focalisé sur des choses. Est-ce que ce fonctionnement-là fait en sorte que le corps, par réflexe, enfin le corps, donc la tête, quelque part, l'intuition, réclame par réflexe de la découverte, enfin la soif justement d'apprendre, de découvrir par soi-même, enfin voilà, toute une série de caractéristiques finalement propres au HPI. Donc, tout à fait, moi je fais vraiment le lien entre les caractéristiques du cerveau, comme on vient de les décrire, et des besoins spécifiques qui vont être liés à ces caractéristiques. Donc, si on a un cerveau qui est effectivement capable de prendre en compte plein d'informations, de faire des liens entre toutes ces informations, c'est souvent la caractéristique principale du cerveau HPI, de par ses connexions plus importantes aussi. On va du coup avoir besoin d'obtenir plus d'informations. D'où cette curiosité finalement qu'on observe, qui est la caractéristique vraiment principale des personnes HPI, je trouve, hein. Ce besoin de connaissances, d'apprendre, de se renouveler, de participer à des choses variées aussi. Donc ça, c'est un besoin très important et on retrouve aussi en lien avec ce besoin-là un besoin de sens. Ce qui fait sens aussi, puisque si de nouveau, j'ai plein d'informations à ma disposition, je fais plein de liens, je vais accéder à une vision plus globale des situations. Je prends en compte aussi plein de détails. Hein. Donc, je vais accéder au sens de ce qui se passe de façon peut-être plus directe. Hein. Ça va créer chez moi un besoin de comprendre vraiment ce qui se passe. Hein. Et du coup, dans n'importe quelle situation, de ne pas être satisfait si j'ai pas accès au pourquoi je fais ça. Ou une plus grande logique derrière les situations. Pour moi, il y a vraiment un lien entre la façon dont le cerveau fonctionne et ces besoins-là au quotidien, en tout cas chez les personnes HPI. Et donc, est-ce que ça veut dire, je fais le saut jusqu'à enfin, tout ce qui est enfant et scolaire, est-ce que justement, parce qu'on remarque que tu as quand même certains enfants qui sont effectivement HPI, qui ont des soucis à l'école, est-ce qu'on pourrait faire le lien? Je tente des choses sauvages, hein, donc dis-moi si c'est tantôt pas, je sais, parce que voilà, je vois un lien, je me dis, tiens, est-ce que parce qu'ils n'ont pas assez à manger à l'école ou à leur disposition, c'est cette espèce de besoin de brasser large et de manger, parce que c'est vraiment, c'est physiquement,
En tout cas, moi, je partage pour le coup mon vécu, c'est j'ai besoin de manger. Et j'ai vraiment, j'ai physiquement cette impression. Quand j'apprends et que j'ai toute une série d'informations qui arrivent, etc., je sens que ça me remplit, j'en ai besoin. Et on n'a pas cette capacité, finalement, à l'école, puisqu'en fait, on est limité par ce qui nous est donné dans le cadre d'une classe, d'un professeur. Et donc, est-ce que ça crée ce trop peu d'informations, finalement, de possibilités, de choses à manger, à ingérer, à analyser, à découvrir, fait en sorte que, quelque part, le cerveau surchauffe d'une manière ou d'une autre parce que justement il n'y a pas assez, du coup il tourne, il s'énerve tout seul en fait, comme un malheureux, et que ça crée justement ces problèmes scolaires, ces ennuis, donc la difficulté de rester en place. Je sais pas, je te tente un truc sauvage, c'est parce que je t'entends voilà, parler de ça, je fais le lien qui est vraiment une thématique, c'est à l'école comment on fait au niveau des enfants, et comme ça se traduit de temps à autre, et je suis gentille par certains soucis, et d'ailleurs on discute suffisamment de pédagogie adaptée, etc. Est-ce que tu as pu voir ça? Est-ce que ça fait sens par rapport à ce que tu viens de nous dire? Ah, déjà, juste pour dire, hein, moi je vois le potentiel intellectuel comme quelque chose de super à avoir. Hein. Je vois de façon très positive et aussi il y a plein de personnes HPI et d'enfants HPI qui le vivent très bien Tout à et fait. qui vont répondre à ce besoin de d'être nourris, comme tu dis, en dehors de l'école finalement, qui vont beaucoup lire, qui vont s'intéresser à plein de choses, qui vont questionner les adultes, qui vont souvent avoir des amis qui sont un peu plus grands qu'eux parce que là, ils vont avoir accès à plus d'informations, des visions différentes du monde. Donc, on peut trouver son bonheur en dehors de l'école. Mais effectivement, ça va demander d'aller le chercher. Donc, ça va demander un effort supplémentaire. Donc, si on se concentre juste sur ce qui se passe à l'école, ben, là aussi, il y a plein d'enfants HPE qui le vivent très bien finalement, qui sont contents d'avoir des bonnes notes et qui vont trouver leur bonheur ailleurs. Et qui risquent de se trouver en sous-stimulation s'ils n'ont vraiment rien d'autre à côté qui nourrit ce besoin. Et vu qu'on parle de besoin, en fait, on parle vraiment d'émotion aussi et de satisfaction. Donc, si j'ai le besoin d'être nourrie, d'apprendre, quand effectivement j'apprends quelque chose, quand je découvre un nouveau domaine, je vais enclencher mon système de récompense dans le cerveau qui va me donner de la dopamine, etc. Là, je ressens de la satisfaction, de la joie. Si au contraire, je me sens pas nourrie, là, ça va être plutôt le système de stress qui va s'enclencher et je vais ressentir des émotions désagréables qui sont en train de me dire, mais là, ça va pas du tout pour toi dans ce contexte, en fait. Donc, tout dépend après de ce qu'on va faire, si on écoute ou pas ces signaux-là. Et c'est ce que je retrouve beaucoup chez mes clients adultes, en fait, qui sont HPI en souffrance, hein, et qui souvent sont dans des contextes qui ne leur conviennent pas au niveau intellectuel, hein, où ils ne se sentent pas nourris au niveau du sens ou de la variété, hein, et auraient envie de changer beaucoup plus souvent que d'autres personnes, même HPI, et qui se l'interdisent parce que ça ne se fait pas, parce que, ils ont l'impression d'être instables, etc. Et du coup vont souffrir hein, de cette différence. Donc c'est pas le HPI en lui-même qui est une souffrance, c'est le fait de ne pas répondre à ses besoins finalement, à ses besoins spécifiques en tant qu'HPI, qui va faire que la souffrance se met. Et donc, tu parles, parce qu'on est justement, on fait le lien avec les émotions. Comment on distingue l'intelligence émotionnelle de l'hypersensibilité ou de la haute sensibilité? Comment est-ce qu'on distingue ces deux notions? Donc pour moi, c'est deux choses différentes dans la façon dont je comprends le cerveau. C'est qu'en neurosciences, les sensations et les émotions, c'est des choses différentes. Hein. Donc une sensation, c'est ce qui me permet de, c'est à travers mes sens, ce qui me permet d'appréhender le monde qui m'entoure. Hein. Donc le toucher, l'odorat, la vue, etc. Et à travers ces sens-là, je vais réagir donc à ce que je vois. Donc par exemple, là, je vois t'as un visage assez neutre, tu as l'air d'écouter, hein. Tu m'entends, hein. Voilà. Là, tu souris, donc j'ai accès à ce qui se passe autour de moi et je vais y réagir. Donc ça, c'est ma sensibilité.
Ça me fait plaisir. Par exemple, je souris, ça me donne envie de sourire. Donc là, c'est mon empathie plus affective où mon cerveau analyse ce qui se passe, traduit ce que je perçois voilà, un sourire, hein, et va refléter en quelque sorte à travers un système de neurones miroirs hein, cette même émotion chez moi. Donc, je vois sourire, ça me fait plaisir, ça active les mêmes aires de mon cerveau que si moi-même je souriais. Donc ça, c'est mon empathie affective, hein, qui est basée sur ma sensibilité, ce que je vais capter du monde extérieur. Et ensuite, l'intelligence émotionnelle, c'est qu'est-ce que je vais faire de tous ces signaux que je capte, hein, et de toutes ces émotions. Et déjà, j'ai commencé par dire que la sensation et l'émotion, c'est différent, parce qu'en si on part de la base, juste pour redéfinir, en neurosciences, une émotion, c'est le résultat d'un processus complexe hein, qui comprend l'analyse de la situation dans laquelle je suis en fait. Une analyse très implicite en fait, à laquelle j'ai pas accès, qui se passe en quelques millisecondes et qui va aboutir à des processus physiologiques. Donc il va se passer quelque chose dans mon corps. C'est de cette façon-là que ça va se signaler ou pas à ma conscience d'ailleurs que je suis en train de réagir à mon environnement. Donc c'est au-delà de la sensation, tu vois, il y a une partie de cognition, de compréhension, d'analyse très implicite de nouveau hein, qui est ajoutée. Et l'intelligence émotionnelle, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce signal-là tout d'un coup? Est-ce que j'arrive à le capter, à l'entendre, à le comprendre? Voilà, tout d'un coup, si je sens que j'ai chaud, je suis en train de me contracter, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que c'est? C'est de la colère, est-ce que c'est de la contrariété, est-ce que au contraire j'ai peur finalement, hein. Et après aller au-delà de ça, c'est de comprendre mais qu'est-ce qui a déclenché ça en fait? Quel est le besoin à la base qui est nourri ou pas nourri chez moi qui fait que je suis dans cet état émotionnel? Et une fois que je décode tout ça, qu'est-ce que je fais de ça en fait? Parce que l'émotion elle est là pour nous pousser à agir. Donc c'est vraiment tout ça l'intelligence émotionnelle. Du coup, tu vois qu'il y a une différence entre être sensible et être intelligent émotionnellement. Parce que si je suis très sensible, je capte plein de choses et puis je sais pas du tout quoi en faire et ça me fait bouillonner de l'intérieur, j'explose, etc. Là, j'ai du mal à être intelligent émotionnellement. Et alors, dans ton livre, tu soulignes quelque chose d'extrêmement, enfin, plein de trucs. Et sérieux, les amis, voilà, vous devez le lire. YouTube, de toute façon, c'est dans le lien de Pascal dans la description sur le lien du sommet, mais c'est une tuerie. Voilà, Pascal le sait, je lui ai dit. Et bah, je pense qu'elle le sait tout court. Hein, donc, tu soulignes quelque chose que je trouvais excessivement intéressant. Tout est intéressant, mais ce point-là, j'y avais personnellement jamais pensé. C'est le lien entre hypersensibilité sensorielle et hypersensibilité ou haute sensibilité sensorielle et haute sensibilité émotionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est lié? Est-ce que l'un amène l'autre? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Donc là, ça fait référence à cette différence que je mentionnais tout à l'heure entre les sensations et les émotions. Donc c'est vrai qu'au niveau scientifique, dans tout ce qui est le domaine de la sensibilité, il y a peu de données en fait. Donc si on se passe sur le point de vue des sensations, une haute sensibilité sensorielle, ça veut dire que mon cerveau a besoin de moins d'informations pour réagir que pour une personne moins sensible. Par exemple, s'il y a un niveau de bruit donné, si je suis plus sensible, je vais commencer à réagir déjà à ce niveau-là. Alors, pour une personne moins sensible, il faudra qu'il y ait plus de décibels, de fréquences pour réagir. Donc ça, on peut le mesurer. On peut voir qu'il y a des gens qui sont effectivement qui réagissent plus vite hein, à des sons, à des odeurs ou à des stimuli visuels. Mais pourquoi ça se traduirait en une différence au niveau de l'émotion finalement? Puisque dans l'émotion, comme je disais, il y a un aspect sensoriel, donc je peux détecter qu'il se passe quelque chose en moi. Il y a tout l'aspect cognitif qui est là, et ça n'a pas forcément à voir avec nos sensations en fait. Donc à ce jour, il n'y a pas de données qui montrent que si on est plus sensible sensoriellement, on est aussi plus sensible émotionnellement. Et après, il y a différentes façons d'être sensible émotionnellement.
Puis qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est déjà une question. Il n'y a pas de réponse. En fait, c'est au niveau en psychologie cognitive, en neurosciences, la sensibilité B, ça n'est pas étudié, à part par certains laboratoires comme ceux d'Hélène Aron. Elle a résolu le problème en prenant la sensibilité au sens large, la sensibilité à l'environnement. Du coup, ça comprend effectivement la sensibilité sensorielle. Hein. Je réagis à tout ce qui se passe dans mon environnement et la sensibilité qu'elle dit émotionnelle, pardon, sociale plutôt. Donc, je vais réagir aussi à ce qui se passe dans les personnes que je côtoie. C'est vrai qu'il y a un lien. Si là, je vois bien, tu clignes des yeux. C'est tout des sensations, des stimuli visuels que j'interprète. Hein. Donc, il y a un lien entre ce que je vois chez l'autre, les sensations que j'ai de ma perception de l'autre et ses émotions. Mais de nouveau, tous ces liens-là sont pas étudiés, en fait. Donc, on n'a pas de données qui montrent que si je suis plus sensible aux lumières, je suis aussi plus sensible aux émotions, par exemple. Ok, mais je trouvais vraiment intéressant que tu poses la question en disant, mais tiens, voilà, est-ce que si t'as une, voilà, si t'es plus sensible à l'un, est-ce que l'un amène l'autre, est-ce que donc voilà, je trouvais intéressant de poser la question et poser le lien, la corrélation possible ou pas. Et alors je rebondis parce qu'on parle finalement des émotions et des spécificités. Tu parles entre autres d'empathie affective et d'empathie cognitive. Je trouvais ces deux voilà, c'est ces deux concepts hyper intéressants à expliquer et se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas forcément le même sport. Tout à fait. Donc là, on retrouve la différence, je pense, entre la sensibilité et l'intelligence émotionnelle, peut-être. Donc tout à l'heure, je te parlais d'empathie affective, justement. Donc ça implique certaines aires du cerveau, comme l'insula, par exemple, hein, des parties du lobe frontal. Hein. C'est la capacité à ressentir ce que ressent l'autre, donc à avoir les mêmes ressentis émotionnels, en fait. Donc on a pu montrer en sciences cognitives dans plusieurs domaines qu'il y a des neurones miroirs, c'est-à-dire que quand j'observe quelque chose, il va se passer à l'intérieur de moi une activité dans mon cerveau qui est très similaire à si j'étais acteur de cette même chose que j'observe. Par exemple, au niveau moteur, hein, si tu te mets à sauter sur ton fauteuil. Dans mon cerveau peuvent s'activer les mêmes zones que si moi-même je sautais sur mon fauteuil. C'est cette observation en miroir, hein, qui est utile dans plein de domaines pour l'être humain, hein, pour apprendre, hein, qui va s'observer dans le monde moteur, mais qu'on a pu observer aussi dans le monde des émotions. Si je te vois tout d'un coup faire une grimace de dégoût, elles vont s'activer, hein, quelque chose dans ce genre, vont s'activer dans mon cerveau les mêmes zones que si moi-même je faisais cette grimace de dégoût. Ce qui me permet de partager ton expérience émotionnelle, en fait, ton vécu de la situation. Donc c'est très utile pour les êtres humains, hein, puisque ça nous donne un accès sur ce qu'est en train de vivre l'autre. Hein. Donc on est une espèce très sociale, donc c'est très, très utile. Hein. Ça va nous donner envie d'aller vers l'autre. Hein. Ça, c'est encore tout un domaine, on pourra revenir là-dessus, qui peut poser problème justement quand on a une sensibilité élevée par rapport à la distance entre soi-même et l'autre et qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc ça, c'est l'empathie affective. Et l'empathie cognitive, c'est aller au-delà de ce que j'ai ressenti chez l'autre, c'est essayer de comprendre en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'elle ressent tout d'un coup? Qu'est-ce qui fait que tu grimaces de dégoût? Qu'est-ce qui a pu t'amener à ça, hein? Et pourquoi, finalement, c'est essayer de me représenter ce qu'il y a dans ta tête. Et là, c'est des aires du cerveau qui sont complètement différentes, en fait, qui sont qui coïncident pas avec celles qui sont appliquées dans l'empathie affective. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit aussi, en psychologie cognitive. C'est celle qui va faire défaut, par exemple, dans l'autisme. Hein. Et qui va être troublé dans les troubles autistiques, hein, cette capacité à se représenter ce qui se passe dans la tête de l'autre, finalement. Et tu vois que c'est vraiment différent que de ressentir ce que tu ressens. Et si tout d'un coup tu fonds en larmes, alors oui, je peux partager ta tristesse et me sentir très triste pour toi,
Mais on se connaît peu, donc j'aurais aucune idée de pourquoi tu fonds en larmes. Alors après, je peux échafauder tout un tas de théories. Mais là, c'est déjà rentrer dans un mode complètement différent qui est dans cette théorie de l'esprit, c'est de comprendre ce qui se passe chez toi. Et ça implique de pouvoir faire la différence entre ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans ta tête. Et c'est là qu'il y a ce défaut dans les troubles autistiques, en fait. Ça arrive à se représenter que ce qu'il y a dans la tête des autres, c'est différent de ce qu'on a nous dans notre tête. Et ça demande un effort et des capacités particulières d'inhibition de tout ce que nous, on peut avoir en tête, imaginer, ressentir, penser. Pour être intelligent émotionnellement, je pense qu'on a besoin de cette capacité au-delà de l'empathie affective, en fait, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur des autres, hein, et ne pas projeter sur les autres ce que nous, on pourrait imaginer qu'ils sont en train de vivre. J'ai oublié ta question du coup. C'est ce qu'on appelle en PNL l'écran blanc, le fait de vraiment se mettre à la place de la personne et de se poser la question, enfin, d'essayer de savoir ce qui est vrai pour elle pour penser, agir, réagir de cette manière. Ça, c'est, je continue mon petit shopping de. Je vais au magasin du cerveau et j'achète. Et donc, le prochain que je... La question que j'aurais voulu poser, c'était plus liée à l'activité du cerveau quand on est au repos. La spécificité de l'activité voilà, du cerveau quand on est au repos et qu'on est au potentiel. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence entre intellectuel, peut-être pas au niveau des hypersensibles. Donc la différence doit peut-être se faire au niveau des HPI, à toi de me dire, mais je pense qu'il y a une différenciation à ce niveau-là. Donc effectivement, dans le cerveau, il y a plusieurs systèmes qu'on a identifiés qui correspondent à des connexions entre différentes aires, hein. Il y a le système de la science, c'est le système qui permet de faire attention à ce qui est important pour nous, finalement. Le système plus exécutif, celui qui est plus en contrôle quand on est en train de faire quelque chose de façon soutenue. Donc, par exemple, là, je suis en train de te parler, donc nécessaire que je fasse attention à ce à quoi je suis en train de penser, d'émettre, etc. Donc ça, c'est le système exécutif. Et il y a le système par défaut, donc le système du cerveau au repos. Donc si je suis juste là en train de me reposer et que je fais rien en particulier, donc bien sûr, je ne deviens pas brain dead. Il continue à se passer des choses dans mon cerveau. Au-delà des fonctions vitales, mais au niveau cognitif aussi, il y a un peu ce qu'on appelle lorsqu'on est dans ses pensées. Voilà, il y a des choses qui s'enchaînent plus ou moins, des pensées qui s'enchaînent plus ou moins. Et donc, il y a des chercheurs qui ont essayé de caractériser cette activité-là et qui montrent que souvent elle est reliée à créer des liens entre ce qu'on a vécu, ce qui pourrait se passer bientôt, donc une sorte de valeur prédictive de l'avenir. Il y a souvent aussi de la métacognition, donc c'est réfléchir à soi-même, finalement, prendre un peu de recul par rapport à son propre fonctionnement, et y réfléchir. Et il y a quelques études qui ont montré effectivement que chez les personnes HPI, il y avait plus d'activité dans ce système-là au repos que chez les personnes avec des QI moins élevés, qui va être corrélée avec la capacité de métacognition qu'on trouve aussi, elle est souvent plus importante chez les personnes HPI que chez les personnes non HPI. Et du coup, je t'entends voilà, parler de ça et je me demande, est-ce qu'il y a un bouton off? Je sais pas s'il y a un bouton off pour vraiment, Ben, en c'est tout cas. bouton off ou la pancine de Harry Potter. Au choix, tu peux choisir vers quoi tu vas. Donc ouais, quelle que soit la métaphore, en fait, je pense que oui, on peut calmer tout ça. Et souvent pour les personnes HPI, dans ma pratique, je vois ça passe par deux choses. La première, c'est d'arriver à trouver un domaine où on va pouvoir se faire plaisir au niveau intellectuel. Du coup, l'activité, voilà, toutes ces idées qui s'enchaînent, tout ce sentir ton cerveau s'activer, ça va avoir lieu dans un domaine bien précis.
Et on va pouvoir être peut-être fatigué après, mais satisfait en tout cas. Donc voilà, on a eu notre exercice mental. Je pense que quand on a un domaine comme ça peut être au travail ou pas, je pense que ça, déjà, ça calme le flux mental. Après, il y a aussi, ça dépend d'où vient le flux mental, en fait. Hein. Si c'est ce besoin d'activité comme ça et qu'on le satisfait, donc là, ça va calmer beaucoup. Après, si on a un flux mental qui est plus en lien avec nos émotions, là, ça va être autre chose. D'aller chercher qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui coince là au niveau émotionnel, hein, et qui vient faire qu'on rumine, en fait. Hein. Donc là, après, ça va être essayer d'augmenter son intelligence émotionnelle, on pourra les comprendre, tout ça. Et autrement, pour le HPI, il y a autre chose aussi qui est important. Souvent, c'est de se remémorer qu'on n'est pas, on n'a pas juste une tête aussi, c'est qu'il y a quelque chose en dessous. si, si. Qu'on arrive très bien à commander d'ailleurs aussi avec notre esprit. C'est notre corps. Et souvent, quand on est HPI, on est très dans ses besoins intellectuels et on oublie les besoins plus corporels, hein, de repos, d'activité, de plaisir aussi, autre qu'intellectuel. Arriver à trouver un équilibre entre les deux, ça peut aussi ôter la tension justement de l'aspect intellectuel et faire que ce soit plus reposé. Ici, j'ai une partie de ton livre que j'aimerais bien partager pour qu'on discute dessus parce que je trouve que ça reprend assez bien en même temps ce qu'on a dit et puis ça le complète et ça nous donne différentes pistes. Donc, c'est les caractéristiques d'un cerveau HP. Donc, le fonctionnement plus efficace et puissant du cerveau HP aboutit à sept caractéristiques fréquemment présentes chez les adultes HP. Elles sont toutes en lien avec les capacités cognitives plus élevées de cette population. Donc, questionnement et curiosité importants. Besoin de stimulation et goût pour la complexité, créativité et besoin d'innovation, vision globale des situations, importance du sens, attente élevée, doute et remise en question. Et donc, on en a déjà abordé certaines. Moi, les deux sur lesquelles, alors, tu me dis si tu veux aller ailleurs, mais les deux sur lesquelles j'aimerais bien revenir parce que je trouve qu'elles sont aussi en lien avec un certain mal-être ou une souffrance et pour moi, la fausse image que se fait monsieur, madame, tout le monde, dont HPI compris, sur ce qu'on est capable ou ce qu'on est censé faire en tant qu'HP, c'est les attentes élevées et les doutes et les remises en question. Et donc, si je commence par exemple par les doutes et les remises en question, ce qui m'a beaucoup frappée et ce que je trouvais vachement bien présenté, c'est qu'en fait, comme on brasse plus d'informations globales, ben on a des attentes par rapport à nous-mêmes qui sont plus élevées puisqu'on voit le ou les potentiels de toute situation, toute chose. Je trouvais que tu l'expliquais mais super bien dans le livre et je l'ai, enfin, voilà. Après, ce livre est gribouillé dans tous les sens, sur toutes les pages, il y a des trop bien, attention, bref, soit. Mais voilà, si, ça c'est vraiment un point et qui explique peut-être en partie le mal-être, la souffrance, le fait qu'on s'attend qu'on pense devoir faire des carrières de fou furieux parce qu'on est HP ou que les gens se représentent, les HP, comme des gens qui ont des carrières de fou furieux. Donc, une question dans ma question, donc réponds à ce que tu veux comme tu veux. Voilà, ouais, c'est là, il y a plus combien de couches, hein. Fais comme tu veux. Donc déjà, oui, par rapport aux attentes, donc pour moi, les attentes, oui, ça fait partie du fonctionnement HPI, et après, ça peut déraper, ça peut dépendre d'autres facteurs que le fait d'être HPI. Mais c'est vrai qu'on a la capacité à avoir un domaine dans sa globalité, d'avoir plein d'informations. Hein, souvent, on se rend compte de tout ce qu'on sait et aussi de tout ce qu'on ne sait pas. Donc là, je parle plutôt sur le doute. Et le fait de se rendre compte finalement de tout ce qu'on ne sait pas, de tout ce qu'on pourrait avoir, et surtout si on sait qu'on a les capacités d'apprendre tout ça finalement. Ça peut donner cette impression qu'on n'y arrivera jamais finalement. C'est juste impossible de tout savoir. Ça peut faire qu'on va douter finalement, mais on croit est-ce que c'est possible d'être un expert à jamais dans tel ou tel domaine finalement.
Donc, ça peut faire des remises en question continuelles et aboutir parfois à ce sentiment d'imposteur qu'on va retrouver chez Monsieur, Madame, tout le monde aussi, hein, mais qu'on peut retrouver particulièrement chez certains HPI, de par ce doute finalement. Et plus on sait, et plus je me rends compte que j'en sais pas assez finalement. Donc, ça va être difficile de se positionner en tant qu'expert ou d'avoir une assurance sur ce qu'on dit finalement. Enfin, ça peut devenir compliqué par ces idées-là. Donc, tout le travail après, ça va être de trouver ce qui va nous permettre de nous sentir rassurés finalement dans notre domaine, tout en gardant le doute comme un ami en fait qui va nous faire avancer, plutôt que comme quelque chose de paralysant qui peut nous faire qu'on va rester chez soi, procrastiner finalement. Et par rapport aux attentes élevées, c'est vrai que ça, je le vois assez régulièrement dans les personnes après un bilan qui vont passer par un tas d'émotions. Souvent, il y a un grand soulagement. Enfin, je comprends voilà, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai traversé ces différentes périodes dans ma vie, etc. Il doit y avoir une remise en question. Et puis parfois, il y a après, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Comme s'il y avait un, il faut que j'accomplisse quelque chose d'important, que vraiment j'utilise ce potentiel. Donc là, il y a deux choses qui se mêlent. Il y a le besoin de contribuer, qu'on retrouve souvent chez les personnes HPI, qui va être là, quelque chose dont on va avoir besoin pour se nourrir, pour être satisfait. Et parfois, il y a cette pression de, bah, si j'ai des capacités, il faut vraiment que je les utilise pour faire quelque chose de génial. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs avec un client. On arrivait en fin d'accompagnement. Il avait dépassé tout un tas de barrières pour lui. Et finalement, il dit qu'il se sent bien, mais alors maintenant, il faudrait qu'il fasse plus, qu'il utilise ce potentiel. Hein. Donc, on fait le point. Et bah, au niveau professionnel, vous voyez quelque chose de mieux. Ah, là, c'est génial où je suis. Hein. Au niveau personnel, on sait plus ce qu'on avait travaillé, comment ça pourrait être mieux. Ben, je suis content. Hein. Ben alors du coup, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire, humain, à part vous faire plaisir? Donc, se faire plaisir à utiliser ses capacités qui sont au-dessus de la norme, mais ce qui compte, c'est justement le plaisir qu'on va en retirer au quotidien dans ce qu'on va apporter aux autres, ou à soi, tant qu'on est au clair avec ce pourquoi on est là, ce qu'on a envie d'apporter, après, c'est se faire plaisir finalement, c'est important, et les autres autour de nous. Pas nécessaire d'être plus Einstein ou autre chose. Hein. Et c'est chouette parce que tu fais le lien avec finalement, c'était l'une de mes questions, c'est est-ce que les HPI hypersensibles, enfin, tu fais un combo avec tout ce dont on vient de discuter, est-ce que c'est plus challenging de vivre, enfin d'être dans l'instant présent, sachant les stimuli qu'on a en plus, le nombre d'informations qu'on brasse, l'hypersensibilité sensorielle, émotionnelle, etc. Est-ce que tout ça rend le fait de s'ancrer, parce que tu disais, ah ben il n'y a pas que le dessus, il y a le dessous, mais pour être dans l'instant présent par définition, ben, il faut être conscient d'où l'on est, et donc ça passe systématiquement par la respiration, par le corps, par l'ancrage. Donc de descendre finalement du mental. Et donc, quel est ton avis? Oui, donc si on reste sur les profils HPI, effectivement, je pense que ça peut être plus difficile de s'ancrer, comme tu dis, d'être dans l'instant présent, en fait, parce qu'on est souvent dans cette vision plus globale, hein, du monde, hein, et on peut partir dans des considérations qui font que la réalité devient difficile à vivre, finalement, hein, si on part sur la bienveillance de l'humanité ou de l'humain en général ou le pourquoi, du comment, de tout un tas de fonctionnements, on peut facilement se désespérer ou se trouver inutile ou voilà donc comment revenir à quelque chose d'agréable et concret justement c'est là souvent un travail que HPI va avoir à faire hein.
Mais c'est tout à fait possible. Hein. Ça peut devenir même un automatisme finalement. Là, je pars. Donc, à la fois, je reviens avec voilà, chose que j'ai trouvé qui est bon pour moi. Hein. Revenir à quelque chose de positif pour moi et d'agréable. Après, dans les profils hypersensibles ou très sensibles, hein, ils sont pas forcément HPI. On n'a pas parlé de cette différence. Hein. J'allais te la poser. J'allais te la poser. Donc voilà. C'était ma prochaine question. C'était est-ce que les HPI sont-ils tous hypersensibles? C'était la prochaine question dans ma liste. Donc on peut directement aller à la question. Donc là aussi, on a pas de données scientifiques. Il manque quand même une étude là sur le grand public pour vraiment entériner le fait que, enfin, pour répondre à la question, est-ce que les personnes HPI sont plus sensibles que la moyenne? Et le problème qu'on rencontre, c'est qu'est-ce que la sensibilité? Donc, non, on n'est pas prêt de résoudre cette question. Parce que dans les grandes études, il y en a récemment des qui montrent que être HPI, c'est plutôt corrélé avec des facteurs positifs de vie en général. Hein. La sensibilité n'a pas été inclue dans cette étude, parce que comment la mesurer? Soit on utilise des questionnaires qui sont plus d'auto-évaluation, dans lesquels on a plein de facteurs mélangés qui, d'un point de vue scientifique, sont pas satisfaisants. Soit on essaye de mesurer plus l'intelligence émotionnelle, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on est dans de la sensibilité? C'est cette nébuleuse de qu'est-ce que c'est que cette sensibilité émotionnelle, cette sensibilité élevée, qui fait qu'on ne sait pas, en fait. Donc, globalement, ce qu'on peut voir, c'est sur la base du QI, on a, selon où on met le critère, on a 2 à 5% de la population qui ont des capacités nettement supérieures à la moyenne intellectuelle. Et quand on utilise des questionnaires qu'on norme, selon d'auto-évaluation, qu'on norme au niveau de la sensibilité, on s'aperçoit qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui se ressentent très sensibles. Plutôt 20, 20%, 25% de la population. Donc, il y a, forcément, ça, si on prend ces deux chiffres-là, ça montrerait que toutes les personnes qui se sentent très sensibles ne peuvent pas être, HPI, s'il y en a plus. Après, par exemple, dans ma pratique, moi, souvent, dans les bilans, je réalise un bilan intellectuel et un bilan émotionnel aussi. Je peux faire des corrélations, comme ça, et la plupart du temps, je travaille qu'avec des adultes, hein, les adultes qui sont HPI et qui consultent, sont aussi hypersensibles. Je dirais, presque 90% de mes clients qui sont HPI sont aussi hypersensibles. Donc c'est vraiment là l'état de la science. On ne peut pas répondre à cette question-là. Après, il y a la sensibilité qui est bien vécue et la sensibilité qui est moins bien vécue. J'allais y venir, c'est pas mon effet. Voilà, donc on peut être tout à fait HPI, très sensible et vivre très bien sa sensibilité. Donc on ne s'est jamais posé la question de est-ce qu'on est vraiment trop sensible hein, ou trop intelligent, parce que ça va bien finalement. Donc ça fait plein de nuances, là. C'est difficile du coup, de répondre à cette question-là, parce qu'en fait, on ne sait pas trop. Du coup, j'ai perdu la question de base. Avant, Et pardon. c'était, est-ce que tous les HPI sont hypersensibles? Voilà. C'était ça la question de base auquel tu as répondu. Et c'est, je rebondis parce que tu dis, ah bah voilà, 90 ou 90, je ne sais plus, en Suisse, on dit quoi? 90? On dit quoi? Dans le match. Tu as dit 90, en anglais, bien. On va dire 90 alors. 90% des personnes qui viennent te voir sont aussi hypersensibles, mais peut-être qu'ils viennent te voir parce qu'il y a une souffrance et donc une forte sensibilité. Et que c'est ce déclencheur-là qui fait que, enfin voilà, que c'est pour ça qu'on arrive à ces chiffres-là, parce que ceux qui ne sont pas en souffrance et donc peut-être moins sensibles ou qui ne le vivent pas comme une souffrance, on trouvait un peu, on craquait le code, je dirais, bah, ceux-là ne sont pas accompagnés, donc ne sont pas détectés parce qu'en fait, ils vivent très bien leur potentiel intellectuel ou émotionnel. Et c'est le biais finalement des échantillons dans le livre de Nicolas Gouvreau. Enfin, il fait référence à une étude qui disait bah, tiens, on demande aux professeurs d'envoyer les élèves qui pensent qu'ils sont HP.
Et en fait, les profs envoient les meilleurs élèves de la classe. Or, les HP qui ont des soucis, voilà, qui ont des soucis au niveau émotionnel, puis etc., en classe, ben, en général, ne sont pas forcément des bons élèves. Et donc, on voit que les échantillons potentiels de certaines études ben, sont biaisés. Il y a l'étude, je ne sais plus de quelle étude, enfin, comment ça s'appelait, mais c'était une étude qui date, et c'est la plus longue étude, qui a commencé en 1921, justement sur les hauts potentiels. Et c'était des HPI, donc c'était des hauts potentiels intellectuels, forcément, on se parlait encore d'émotionnel à ce moment-là. Et ils ont suivi, je ne sais plus combien de personnes pendant, jusqu'à aujourd'hui, mais ils disaient que même ça, l'étude était biaisée parce qu'en fait, ils ont tous globalement bien réussi leur vie, mais à partir du moment où tu sais que tu fais partie d'un cheptel de X personnes, d'une étude de monsieur Y hyper connu sur la thématique, ben toi, ta confiance en toi, ton estime de toi augmente, et même au niveau du travail, ça t'ouvre des portes parce que tu dis, je fais partie de l'étude de monsieur X ou Y. Je crois qu'au début de mon histoire, c'était monsieur Y. Voilà, monsieur Y. Et donc, en fait, même cette étude-là est biaisée. Et ce que tu dis, c'est intéressant au niveau de la thérapie, parce que ça montre que si tu changes la façon dont tu te perçois, tu peux changer ta vie. Et c'est ça tout le but de n'importe quel accompagnement, finalement. Et le but, souvent, les personnes qui me contactent se posent encore la question, mais à quoi ça sert finalement d'avoir de faire un bilan, de vraiment savoir ou pas? Mais ça peut être une donnée essentielle qui va changer justement la façon dont on se perçoit. Et qui va révolutionner son monde intérieur pour reconnecter différemment l'image de soi, nos réactions, nos émotions, etc., pour aboutir à une version de soi différente, plus apaisée, plus en accord avec ses besoins, etc. Donc ça peut être vraiment hyper porteur de faire ces bilans. Et donc oui, tout à fait, les personnes qui consultent en général sont celles qui vont avoir plus de difficultés avec leurs caractéristiques. Mais c'est un état de fait à un moment donné de leur vie qui peut être tout à fait modifié. Et quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut se demander si les HPI sont aussi plus intelligents émotionnellement. Donc ça, il y a quand même quelques études. C'est marrant parce que ça peut dépendre de comment on mesure l'intelligence émotionnelle. Si on mesure l'intelligence émotionnelle avec des exercices auxquels il y a des réponses justes ou fausses ou de façon un peu plus objective, on essaye de faire de cette façon-là. Souvent, les HPI ont des capacités, enfin non, c'est pas souvent, mais c'est arrivé dans certaines études. Les HPI vont avoir des capacités qui sont supérieures à celles lorsqu'on les mesure sous forme d'auto-questionnaire. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Donc, il y a deux façons de mesurer l'intelligence émotionnelle, soit sous forme d'auto-questionnaire, je te demande d'habitude est-ce que tu fais ceci, est-ce que tu fais cela, comment tu te perçois, etc. Et puis, dans une autre façon, ça va c'est une façon plus objective où je te mets en situation, je te propose des réponses, qu'est-ce que. Sachant que c'est jamais très complètement objectif quand on parle d'émotion et qu'il y a plein de biais, etc. Donc on a cette façon plus d'auto-évaluation plus objective. Et quand on teste des HPI, pendant certaines études, on voit qu'ils sont beaucoup moins intelligents émotionnellement quand on leur demande de s'auto-évaluer, finalement, que quand on leur demande de concrètement ce qu'ils feraient. Donc là, ça peut montrer le petit défaut de métacognition des HPI L'image de soi qu'on a de soi à soi dans son propre monde, en fait. Comment on se juge seul ouais. mais globalement, si on prend toutes les études sur l'intelligence émotionnelle et le QI élevé, on s'aperçoit qu'il y a une petite corrélation quand même. Donc en général, quand on a un QI élevé, on a aussi plus de chances d'avoir plus d'intelligence émotionnelle, mais il y a une limite à ça en fait. Donc il y a quand même quelque chose de plus dans l'intelligence émotionnelle qui fait appel à des capacités de compréhension, comme on disait dans la théorie d'esprit, de raisonnement. Mais il y a tout l'aspect émotionnel justement qui est en plus et qui peut faire défaut chez certains HPI. Donc il y a le HPI qui va être coupé de ses émotions, qui ne va pas être ce qui se passe à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même.
Et donc là, il lui manque la matière première pour être intelligent émotionnellement, finalement. C'est-à-dire que, voilà, faire des Legos sans briques, Exactement. c'est plus compliqué. Et je La même rebondis. chose, l'hypersensible qui est, lui, la personne très sensible qui est plein de ces signaux-là, qui les capte, etc., qui est vraiment dans son corps, etc., elle va avoir trop de signaux pour arriver à être intelligente émotionnellement. Et finalement, c'est une bonne balance des deux. Je pense pour être intelligent émotionnellement, il faut un certain niveau de sensibilité. Donc, on peut imaginer que plus on est sensible, plus on a un potentiel pour être intelligent émotionnellement, parce qu'on va avoir plus d'informations. Mais il faut aussi une capacité plus cognitive qui va nous permettre de réguler aussi, c'est une clé dans l'intelligence émotionnelle, de réguler, comprendre, etc., pour acquérir ces capacités d'intelligence émotionnelle. Et tout ça, ce qui est génial, c'est que ça peut s'apprendre avec des accompagnements, des Voilà, thérapies. la vie s'en charge aussi, hein, un petit peu, différentes choses qui sont présentées. Et je reviens sur ce que tu disais juste avant, et c'est marrant parce que je retrouve finalement le même débat dans chacune des interviews que j'ai. C'est vraiment ce côté grille de lecture, et peu importe, parce qu'on voit bien à quel point c'est compliqué de mesurer précisément. Que ce soit les émotions, les perceptions, les sensations, les sens, l'intelligence, enfin tout ça, alors à part le QI, mais qui détermine même le, enfin voilà, les tests de QI, même là, sont, voilà, il y a des biais, il y a des choses sur lesquelles il y a différents types d'intelligence, ça ne mesure pas tous les types d'intelligence, enfin bref, soit. Et on voit bien à la fois que c'est éventuellement des indicateurs qui nous permettent peut-être de se donner l'autorisation d'enfin se dire qu'on est différent et c'est OK. Mais en même temps, de ne pas nous laisser définir ou ne pas attendre de quelqu'un d'extérieur qui nous mette une petite gommette dessus, HP, pas HP, hypersensible, pas hypersensible, voilà, intelligent émotionnellement, ou pas intelligent émotionnellement, parce que en plus, enfin, voilà, tu le dis toi-même, on change tout le temps. Et donc, c'est pouvoir avoir vraiment, non pas cette définition de personnalité, voilà, t'es comme ça, ad vitam aeternam, mais voilà ta grille de lecture, et ça explique peut-être pourquoi tu te sens différent, pourquoi dans les endroits trop bruyants, tu as la nausée, pourquoi. Et je trouve ça, voilà, au-delà des tests, je pense fondamentalement qu'un haut potentiel intellectuel, ou un hypersensible, ou un HPE, ou un ce qu'on veut, peut savoir s'il l'est, oui ou non. Ne fût-ce qu'en écoutant ce type d'interview, des podcasts, etc., de se dire, OK, si je me suis tout le temps senti différent, et s'il y a, voilà, des tas d'éléments, enfin, l'injustice, l'empathie, enfin bref, il y a quand même beaucoup de quand on écoute, enfin, on lit la littérature, quand on écoute les podcasts, etc., il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui sont communes, et on se dit, OK, là, peut-être bien que je devrais aller plus loin dans cette thématique, indépendamment de tests ou autres, qui en plus ne sont pas fixes. Parfait. Donc, c'est vrai que quand quelqu'un me contacte par rapport à ce genre de questionnement, la question du test peut se poser. Et moi, ce que je demande toujours, c'est est-ce que c'est pertinent pour vous finalement? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ces caractéristiques? Est-ce que vous avez intégré? Est-ce que vous les êtes appropriés ou pas, ou est-ce que vous avez besoin d'une validation extérieure, plus objective ou pas, donc ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, donc pour lui, ça va être vraiment important, sinon ça n'a pas de substance, et ils ont du mal à se sentir légitimes dans ces caractéristiques, donc tout dépend de la personne. Et après, l'étiquette peut être un passage intéressant, puisque ça permet l'appropriation, justement, l'acceptation. Ça, c'est pas toujours évident, en fait. On a beau savoir dire oui, peut-être que je suis comme ci ou comme ça. Après, c'est le travail de savoir si c'est OK pour nous, en fait, d'être comme ci, comme ça. Et là, ça va dépendre de plein de facteurs de qu'on a vécu jusqu'alors, ce qu'on s'est autorisé ou pas. Parce que le but ultime, je pense, c'est d'arriver à s'autoriser à être soi-même. Donc pour les HPI, comme on disait, de se faire plaisir dans des activités, oui, si j'ai envie de changer de métier au bout de tous les 5 ans, parce que franchement, c'est juste, j'en peux plus de ce On revient truc-là. souvent avec le même exemple dans les interviews. Ouais.
C'est ce qu'on voit souvent, mais même sur le plan des loisirs aussi, par exemple. Je sais qu'il y a des clients qui me partageaient le fait de changer souvent de sport. C'était mal vu dans leur entourage, mais ils ont simplement besoin de se sentir stimulés à apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être changer d'intérêt. Voilà, j'ai fait des podcasts sur l'astronomie pendant 3 mois, puis après ça va être je sais pas, les fourmis, et après le jardinage, et puis les gens autour sur les qui tu fais, en fait c'est quoi qui t'intéresse, hein. Donc c'est être OK avec nos besoins. Et pour les personnes sensibles, tu parlais du bruit aussi. Il y a une grande différence, je pense, entre se dire voilà, je suis hyper sensible, je suis trop sensible, hein. Donc là on sait qu'on est sensible. On a une vision de soi qui est dans le trou, en fait. Et on a cette vision de jugement qui fait que dans les situations où on se sent trop, ben on sera pas bien. Et c'est différent de se dire, ah, je suis très sensible, hein. Et ça veut dire que j'ai des besoins qui sont différents, en fait. Et à partir du moment où on a cette optique-là, c'est, ah oui, mais quel besoin, en fait? Ah, mais j'ai peut-être besoin, effectivement, d'être au calme. Moi, si je vois quelqu'un pendant 2 heures, peut-être moins d'ailleurs, hein. Après, j'ai besoin d'un moment où je suis tranquille, où je vois personne. C'est possible ou pas? Comment je peux aménager ça dans mon quotidien? Et là, ça part sur une optique complètement différente. Et tu Oui, vois que on tire leur jugement pour venir plutôt par rapport à soi, te prendre la main en disant, OK, d'accord, bon, ben là, tu as un effort à faire parce que voilà, tu as un événement auquel tu dois aller, etc. Voilà, comment tu vas faire déjà pour te retrouver, voilà, pour avoir des moments où tu peux te recharger une fois sur place, etc. Qu'est-ce qui est écologique pour toi? Et puis, voilà, comment tu récupères? Donc, c'est quelque part du pilotage à vue, mais au plus on se connaît, au plus on ne se dit pas qu'on subit quelque part les choses en disant, ah, bon, OK, allez hop, je me mets en apnée pendant 2 heures et puis je reviens parce que là, tu le payes au centuple finalement, parce que tu t'es coupé de toi pendant 2 heures pour potentiellement devenir quelqu'un d'autre, comme finalement on a l'habitude de le faire, hein, avec le faux self, les masques, etc. Finalement, dire, je peux plus. Et par rapport aux personnes sensibles aussi, on retrouve souvent par rapport à cette empathie affective qui est plus importante. Donc, il y a quelques études, il y en a très peu, hein, sur les personnes sensibles, puisque, comme on disait tout à l'heure, on a du mal à mesurer à qui est plus sensible que l'autre. Donc, il y a Hélène Aron qui a fait la plupart des études en neuroimagerie sur cette population. Elle a montré que les personnes qui avaient des scores plus élevés à son questionnaire de sensibilité avaient aussi des activités dans certaines zones du cerveau qui correspondent à l'empathie affective qui sont plus importantes. Donc ça veut dire qu'en tant que personne plus sensible, si je suis face à quelqu'un qui ressent une émotion, je vais probablement ressentir ce que ressent cette personne de façon plus puissante. Et c'est un mécanisme totalement implicite, inconscient, et ça se passe, en fait. Donc, on peut, si on ne comprend pas ce qui nous arrive, on peut le subir et être bouleversé, et ne pas savoir quoi faire de tout ça, et être plutôt en lutte contre ce phénomène, finalement. Et souvent, après, c'est s'embarquer aussi. Là, je ressens ce qu'elle ressent, donc il faut que je fasse quelque chose pour l'aider. Donc, puisque c'est à ça que ça sert cette empathie, hein, de provoquer des comportements prosociaux, et du coup, de se faire passer après l'autre, etc. Mais toutes ces problématiques relationnelles qu'on peut retrouver souvent chez les personnes sensibles. À partir du moment où on a conscience de ces caractéristiques, on peut reprendre la main, comme tu dis, en fait, et décider de ne plus subir, en fait. Et comprendre, ah oui, là, il est en train de se passer ça dans mon cerveau. Mais c'est pas une fatalité, en fait. Je peux reprendre le pouvoir et dire, bon, là, ça lui appartient, ça m'appartient pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux obliger de l'aider, en fait. Qu'est-ce qui fait que ça semble plus important ce qu'elle ressent que ce que moi je ressens? Donc après, c'est tout un cheminement, hein. Et là, bien sûr, ça va dépendre de ce qu'on a vécu jusqu'alors, de traumatisme, de chemin de vie, de personnalité, par ailleurs, hein. Et comment se réapproprier ces caractéristiques pour bien les vivre. Et pour terminer, je continue du coup ma petite promenade au marché où j'achète un kit de survie, en fait 3 kits de survie, qui contiennent chacun un outil pour les hauts potentiels intellectuels, un outil
pour les hypersensibles et un outil pour les, on va dire, ceux qui sont, on dirait, enfin, les HPE ou en tout cas ceux qui ont l'intelligence émotionnelle. Donc, vraiment, d'aller chercher les trois modes, donc l'intellectuel qui est en haut, l'hyper émotionnel et hyper donné. Voilà, trop d'émotions. Et le troisième qui se dit, OK, on va dire que j'ai les deux matières, j'ai l'intellect et j'ai les émotions. Comment est-ce que je peux mieux développer cette intelligence émotionnelle? Est-ce que ma question fait sens? Oui, effectivement, dans mon livre, là, tu fais référence à la deuxième partie, en fait, parce qu'au début, j'explique ce qui se passe, parce que je suis un peu un état des lieux de la science sur les cerveaux HPI, sur les cerveaux sensibles, je mets l'accent sur l'aspect positif, en fait, qu'est-ce que ça apporte au quotidien quand Bah on... oui, bah oui. Après avoir dit tout le challenge, il faut quand même, voilà quoi. Sinon, on va se dire, c'est compliqué cette histoire. Non, il y a plein de solutions. Et oui, la deuxième partie, mais t'as vu que moi, je l'ai bien emballée. On est parti faire un tour au marché, notre petit panier, on fait des courses. Et voilà. Et donc, je te le présente à toi. Un outil kit de survie pour les joyeux lurons qui vivent ça au quotidien, en le gérant plus ou moins moyennement. Donc, je pense pour les HPI, je dirais que les outils principaux, c'est vraiment d'écouter ses besoins pour tout le monde. Donc, pour la personne HPI, ce qui fait le plus sens, c'est vraiment de s'autoriser à se faire plaisir sur le plan intellectuel. Donc, c'est pas un outil dans le sens, mais c'est vraiment si on Non, sent. mais on achète ce qu'on veut au marché, hein. On peut acheter des compétences, on peut, c'est pas, voilà. Donc, écouter ses besoins et se permettre, en fait, de changer de sport tous les 3 mois si on en a envie et d'avoir un domaine de prédilection professionnelle, personnelle, etc. Ou un ou des domaines, hein, de découvrir qui nous sert. OK. De ne pas se sentir obligé d'être un expert dans quelque chose. Voilà. C'est OK d'être utile. Pour les personnes hypersensibles, là aussi, c'est OK d'être sensible, en fait. C'est OK d'être sensible et c'est l'outil là, c'est la régulation émotionnelle, en fait. Ça, c'est vraiment et ça peut s'apprendre, c'est ça qui est génial. Si on peut utiliser la plasticité de notre cerveau, bien on arrive à utiliser un nouveau téléphone en quelques minutes, on peut arriver à utiliser notre cerveau, en fait, hein. Et on a des puissants outils à l'intérieur de nous en termes de régulation émotionnelle, hein. Ça s'apprend et c'est tout à fait possible. De se renseigner sur ce que c'est que la régulation émotionnelle, comment on fait ça. Et c'est pas si compliqué que ça, en fait. Alors, ça peut être difficile tout seul, parfois, mais ça peut nécessiter d'aller voir quelqu'un qui nous explique un peu nos schémas et qu'est-ce qui déclenche quoi. Et une fois qu'on a compris nos déclencheurs et nos besoins, on peut arriver à se réguler. Et une fois qu'on régule plus ou moins bien sa sensibilité et qu'on se fait plaisir dans nos besoins de potentiel intellectuel, en général, on est dans l'intelligence émotionnelle la plupart du temps. On sait pourquoi on fait tel ou tel choix et on est bienveillant envers nous-mêmes aussi. Ça, c'est souvent la clé. Passer du trop au très, hein, ce que tu disais tantôt, en fait, du trop émotionnel à juste très émotionnel. Donc, On peut être trop intelligent. Ok, donc pour l'intelligence émotionnelle, là, tu disais que justement, en prenant conscience de ses émotions, peut-être, oui, en prenant du... Est-ce que ça implique de... La vue hélicoptère, la respiration, l'ancrage, enfin voilà, peut-être des routines, ou comment est-ce que c'est le plus facile de travailler, d'apprendre, d'améliorer son intelligence émotionnelle? Pour la régulation, oui, ça dépend ce qui cause le dysfonctionnement, hein. Si on est dans du stress, c'est effectivement plus de calmer l'anxiété. Donc, ça peut passer par le corps, la respiration, pour calmer les symptômes, hein. Et après, c'est vraiment aller comprendre quel est le besoin qui provoque cette anxiété, finalement, et pouvoir aller répondre à ce besoin-là. Et en posant de la conscience en fait dessus, ça te permet déjà de comprendre et donc quelque part
de calmer ou mieux piloter, d'améliorer tes capacités de pilote. Parce que vraiment le point de départ, c'est d'accueillir ce qui arrive en fait, au niveau émotionnel, de pas être en lutte en fait, et de se dire que les émotions, ce sont nos alliés finalement, ce sont des signaux qui viennent nous dire quelque chose, donc être capable d'accueillir ces signaux et de les écouter. Ouais, je pense que c'est ça vraiment. Et après, dans les outils de régulation émotionnelle, il arrive à prendre de la distance, pour le focus attentionnel, faire attention à autre chose. Ça paraît tout bête, mais effectivement, si on se focalise sur le truc qui nous énerve, ben, ça va continuer à nous énerver. Donc, sur le moment, est-ce qu'on veut simplement aller regarder autre chose ou penser à quelque chose de totalement neutre, hein. Ça va faire descendre l'intensité émotionnelle et ça nous permet après de le regarder d'une façon plus distanciée. C'est toujours des outils très simples, hein, qui permettent, je pense, de prendre cette distance. Et après, on aura peut-être besoin de plus de réflexion pour aller comprendre, hein, ce qui s'est passé. Eh bien, super. Après, je t'interviewerai encore bien pendant 3 jours, hein. On a encore plein de choses à raconter. Mais je te remercie pour ce partage passionnant, éclairant, à la fois hyper pointu et voilà, hyper précis, mais d'une richesse absolue. Je vous recommande vraiment de lire son livre qui, même si dans le thème abordé, c'est complexe. C'est expliqué excessivement bien. Il y a plein de petits cadres qui reprennent l'essentiel, excessivement beaucoup d'exemples aussi qui permettent de voir, mais oui, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça implique, comment ça fonctionne. Encore une fois, un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'elle pose des questions, même s'il n'y a pas les réponses. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un lien entre ça et ça? Ben, on ne sait pas, parce que la science, elle n'a pas encore testé ça. Je trouve que ça te permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Alors, tu vas me dire, c'est déjà une thématique où le champ des possibles est quand même déjà très ouvert. Mais voilà, je trouve que tu as un côté, tu mets les pieds dans le plat, tu l'expliques hyper bien de manière. Voilà, je suis in love de ton livre et de toi. Je te remercie mille fois. Pour cet échange et j'espère que vous aussi ça vous aura profité. À mon avis, vous avez dû apprendre quelques trucs, même si vous êtes pointu sur le sujet. J'espère qu'en tout cas ça vous a apporté des clés et si pas des clés, au moins des réflexions et des questionnements pour faire avancer un peu le chemin public. Merci beaucoup Pascal. À tout Merci, vite. Nathalie. Bon moment, hein. J'ai beaucoup apprécié cet échange et j'espère que ça a apporté quelque chose effectivement à tous nos auditrices et auditeurs. Suis persuadée. À très vite! À bientôt.